Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau tuto zéro déchet. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser un macérat huileux de pâquerette. Et oui, cette fleur a la même vertu que l'arnica. Elle a des propriétés astringentes, réparatrices, cicatrisantes, décongestionnantes. Enfin, les vertus sont très très nombreuses. Et vous pouvez l'utiliser aussi bien sur des ecchymoses comme contre-coup, mais également sur des brûlures, des coups de soleil, et aussi sur des soins destinés à raffermir la peau, donc aussi bien sur le corps comme sur le visage. On va tout de suite voir les étapes de réalisation ensemble. Première étape, destination le jardin, et on va passer à la cueillette. Donc veillez à bien cueillir uniquement les fleurs, sans la tige, et ensuite on va les laver. Deuxième étape, maintenant vous allez disposer vos fleurs lavées dans un bocal stérile ou un petit pot en verre et vous allez les couvrir avec une huile végétale bio. Donc moi j'ai utilisé de l'huile d'olive par exemple. Troisième étape, placez votre pot au soleil et laissez macérer pendant 30 jours en secouant de temps en temps. Étape, après 30 jours de macération, vous pouvez filtrer l'ensemble et le placer dans un flacon stérile.